Eh bien, bonjour à tous, ouais! Ici Pompétude, moi c'est Tude, et je suis avec... Ni 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 Un jour peut-être, on vous racontera l'histoire de ce pseudo et de ce cri. Ni Ni C'était une sombre histoire de clope, bref. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Okay. On a un court-métrage que faisait Ponf. Ouais. Et au bout d'un moment, pour que ce soit raccord, où l'actrice fume une clope, elle dit ouais. Qui veut ma clope? Parce qu'il fallait qu'elle en prenne une nouvelle. Et moi, je me souviens, j'étais à plat ventre, je devais actionner sa chaise pour qu'elle descende. Et là, t'as une petite voix qui pop. Ni. Parce qu'en fait, attendez. Parce que là, il l'a pas très bien expliqué. Il y a Noah qui se met en mode complètement crevard pour, pour une moitié de clope. Genre, qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ma clope? Et là, t'as Noah qui se jette dessus, qui fait Ni. C'est resté. Okay. Bon. Et du coup, c'est devenu le pseudo de Noah quand même. Ok, alors, on va vous faire une petite vidéo sur Mafia. On est très content parce qu'on a vu que la vidéo précédente vous avait plu. Donc, je suis avec Noah, le grand spécialiste de Mafia. Comment ça va? Ça va super. Ça va bien. T'as eu le temps de pratiquer un petit peu ces derniers temps? J'ai dépassé les 5000 points, incroyable. Je peux colorer mon nom et tout, ce qui fait que tu meurs 10 fois plus vite. Ok. Genre tu t'appelles le baguette en bleu, blanc, rouge. Au premier tour, je me souviens, je créais une nouvelle classe dans Mafia, je sais plus si c'est lui, il s'appelle le Mass Murderer. Et en fait, le Mass, alors j'arriverai jamais à le prononcer en anglais, enfin le meurtrier de masse. Ah ok. Et en fait... Le Mass Murderer. Exactement, oh, joli, okay. Magnifique. Et en fait, comment il fonctionne? Il tue tous les gens qui sont dans une maison. Par exemple, imaginons le shérif est venu m'inspecter, moi je suis resté dans ma maison, il va tuer tous les gens. Et en fait, quand t'as un nom de couleur et qu'il y a donc cette classe-là, bah en une partie, je crois que le mec il avait buté 7 mecs d'un coup, y compris moi. Putain. Parce qu'en fait, tout le monde était venu m'inspecter, qu'en fait, quand t'as un nom de couleur, ça attire tellement l'attention, qu'en général, tu vis jamais très longtemps. C'est risqué. Mm. Et en fait, on va juste apporter des précisions à la vidéo précédente qu'on a faite. Alors, parce qu'on nous a demandé d'apporter des précisions. On vous conseille de jouer à ce mode, c'est un excellent mode, on va vous réexpliquer. Mais la langue officielle de ce mode, déjà, ce n'est pas le français. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Donc voilà, on essaye de s'adapter et on parle anglais, enfin, je veux dire, voilà. On parle anglais, on parle si pas français. En fait, si vous voulez faire des parties françaises, il y a des gens qui ont créé un chat qui s'appelle French Mafia et qui lance des parties full FR. D'accord. Là, dans ce cas-là, faites-vous plaisir, jouez en français, mais dans les parties standard, parlez en anglais. De toute façon, déjà, si vous parlez en français, vous n'allez pas passer 3 tours. Ouais, c'est clair. Donc vous pouvez parler en français si vous êtes jester. Là, ça marche. Ah, c'est mais pas oui, ça marche super bien. Vas-y, faut qu'on se choisisse un pseudo, on a 20 secondes là. Mais mets un truc. Attends. On se concerte cette fois. On a 12 secondes. Tu peux mettre Bob, ça attire pas l'attention. Non, c'est trop court. Bob the Tool. On n'a pas le temps. C'est bon, ça passe. Bob the Tool. Ah oui, et nouveau truc ici. Attends, ça je connaissais pas. En fait, ce qui est ici, c'est tous les rôles qui sont potentiellement disponibles dans la partie. Et ça, c'est supprimé quand il y a un mec qui meurt? Non, c'est en fait les rôles qui sont, par exemple, dans la mafia, il y a ces rôles qui sont possiblement là, dans la tone, et donc ça vous permet, par exemple, de pas faire de conneries. Par exemple, parfois, il y a pas de citoyen dans certaines setups, et ça vous permet de regarder est-ce qu'il y a le citoyen. Vous voyez, là, il y a pas de citoyen. Ouais, alors. Donc, si y a un mec qui prétend être citoyen, butez-le. Alors, vas-y, tiens, dis un truc. On est conciliaire, on est mafia. Alors, attends, mets-moi la role list, s'il te plaît, et les morts. Toujours. Écris un truc, s'il te plaît, dans le chat. Hello, guys. Ouais, non, j'aime pas parler. T'es gentil. J'aime pas parler, moi je le fais tout le temps. Non, au début, comme ça. Genre, conciliaire. Alors, vous êtes dans la mafia, pour ceux qui connaissent pas. Et on est un des méchants, là. Ouais, chaque nuit, vous pouvez inspecter quelqu'un et ça va vous donner les rôles possibles pour cette personne. Par exemple, cette personne recherche la justice, ça peut être un exé ou un shérif. Et en fait, honnêtement, la meilleure stratégie pour un consigliere, c'est de se faire passer pour un investigateur de la ville. Ouais, c'est clair. Et le truc, c'est qu'en fait, on peut... Alors, check one person each night for unusual activity, ça veut dire qu'on aura quoi comme information en tant que consigliere? Par exemple, imaginons cette personne utilise des couteaux. Ça veut dire qu'il va être docteur ou serial killer. D'accord. Cette personne c'est comme investigateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Cette personne recherche la justice, blablabla, etc. Ok, donc là, vous voyez, on est la nuit. Snoopy, mafioso. Prefer, blacksmith et le Godfather. Donc, c'est lui qui désigne la cible. Et nous, on peut investiguer quelque chose en cliquant à droite. Là, vous voyez, je clique, s'il te plaît. On va voir qui a parlé et qui... on inspecte le violet. Le violet, chicken lover. Voilà, chicken lover. Hop, je ferme ça. Chicken lover.
Là, ça dit Bob the Tool Investigate Chicken Lover. Comme ça, mes alliés sont au courant. Et par contre. Et le Godfather, il doit tuer. Il a, à mon avis, il a été pris par le Jailor. À mon avis, s'il répond pas, il a été pris. Ah non, c'est bon. Snoopy. Non, non, c'est le mafioso. Non, je pense que votre Godfather a été chopé par le Jailor. Donc là, t'as chopé l'exé ou le. Alors. Ou le shérif. Il y a des chances que ce soit un shérif. Alors. Et alors là, on peut checker s'il y a un exécuteur, non? C'est là, dans les rôles neutres. Oui, je pense qu'il y en a un parce qu'il a. Voilà. Ah ouais, donc l'exé ou le shérif. Alors, ce qu'on va faire, on va se préparer notre alibi. Ok. Ouais. On se fasse jail. 1. Donc, Chicken Lover, c'est numéro 4. Exé. Shérif. Et vu que vous êtes dans les méchants, quand même, le truc, ce serait que si vous crevez, vous donnez pas des indices aux gens où il faut pas. Voilà. Genre, je le fais juste copier-coller, comme ça. Tu peux ressortir rapidement en alibi. Oh, le faux. En plus, faut vous imaginer le regard avec lequel il m'a dit ça, quoi. Le regard de tueur en série, quoi. J'ai des last will pour m'innocenter. Magnifique. Mais toi, je sens que t'es doué dans ce jeu-là, quoi. Alors, I'm Batman. N6, is arsoniste. Je pense qu'il a raison. Alors, ça se trouve, il l'exécuteur. Ils ont voté pour Armando. À mon avis, un mec, le shérif, il y a une chance sur deux qu'il soit exécuteur, là. Bah attends, il a désigné Armando. Ouais, toi, tu t'en fous, ça t'arrange. Plus les gens y crèvent, plus ça t'arrange. Tu votes. Évidemment. Lies, I'm Batman. Ça, c'est de la défense. Alors lui, tu peux être sûr qu'il va crever. Hein. I'm Batman. Lui, mais le pire, c'est que. Enfin, je veux dire, lui, il peut être Jester, non? C'est où Jester? Il peut, ce serait pas de chance. Alors regarde, y a un Jester. Regarde dans les listes, s'il te plaît. Là, bah, y a un Jester. Non, juste là dans les rôles listes. Et voilà, ça donne les règles pour chaque personnage. Et par exemple, la cible de l'exécuteur, il y a une règle que tu peux activer qui fait que, par exemple, la cible de l'exécuteur est toujours un mec de la ville. Donc là, c'est off. Donc ça peut être l'exécuteur peut avoir comme cible n'importe qui. Ce qui est super chiant, je déteste. Mais attends, regarde, t'es mal, le mec il a mis I am blackmailed. They see me through the En gros, le mec joue pas du tout le jeu, mais je pense qu'il faut pas le tuer là, tu vois, c'est trop suspect. Il peut être Jester, à mon avis, il est arceau, mais vote pas, de toute façon, il va crever. Les autres vont le buter. Prends pas le risque. Voilà, regarde. Mais tu le sens pas Je me mets un coupé qui va se faire buter. Chicken Lover, il est exécutionneur. Bon, on verra. Si Armando il est arceau, Chicken Lover il est shérif. Tu vois, quand même, il y a des mecs qui sont pas confiants. Hein. Ça vote pas massivement. Oh, c'est sûr qu'il est. Enfin, je pense qu'il est arceau. Il est grillé. Ouais, voilà. Bad luck here, good luck shot, sheriff. Remarque, s'il est arsoniste, ça veut dire que Chicken Lover, c'est un shérif. C'est un shérif. Ça veut dire que la nuit, c'est la prochaine cible. Non, parce que vu qu'il s'est révélé en tant que shérif, il va y avoir 3 millions de personnes en train de le surveiller. Et là, t'es sûr que. Attends, regarde. Protection for me, please, bad luck, bad player. Voilà, t'es sûr. Non, mais là, t'es sûr qu'il s'est révélé en tant que shérif. En plus, il a eu bon. T'es sûr que là, il y a un docteur sur sa tronche, il y a un bodyguard. Attends, écrit good job ou un truc comme ça, non? Ouais. Oh, c'est... Voilà. Good job. C'est le truc pas trop suspect. Fuck you. Oula. Attends. Ça écrit pas là. Alors là, on est la nuit, donc on parle à la mafia. Four is sheriff. Tu peux mettre I checked him last night. Là, il faut pas que la mafia, en fait, attaque Chicken Lover. Ah, il y a un ponf! Vas-y, ils ont buté ponf! Il y a un ponf dans la game. Tiens, non, pas ponf. Mais moi, il faut que j'investisse quelqu'un d'autre. Voilà, Blackman, allez, hop. Au hasard, on s'en fout. Ah, il y a un ponf? Ouais. Ah, mais en gros, on s'est logué avec quel compte, là, avec Tude ou avec... Avec Tude. Ah ouais? Avec Tude. Ah non, mais il y a des parties où il y a un chips, il y a un noix, il y a un ponf, il y a un Tude. Il y a un George. Sérieux? Ah ouais. Y a des parties quand les mecs, ils te reconnaissent? L'honneur. Ah! Survivor, Witch ou Amnésiaque. Parfait ça. Alors attends. On va augmenter notre last will, histoire de. Ponf. Ponf est mort. Oh là 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 là. Par la mafia. C'est nous qui l'avons tué de toute façon. Lookout. Et last will. 7 et aller voir 1. Et 10. Je comprends. 7 hors 10, mafia. Ok, bon, il est complètement à côté. C'est trop bon là. C'est parfait, ça c'est les mieux. C'est... Il est complètement à côté de la plaque. C'est n'importe quoi. Attends, je comprends rien là.
on garde la last will, hop, on la supprime, et voilà. Check 7 or 10. Non, nous on a checké 11 malheureusement. On n'a pas checké 7 ou 10. Mais nous on sait qu'ils sont pas mafias parce que les mafias ils sont là. Mais notre but c'est qu'ils soient accusés en tant que mafia en fait. Tu vois là, Epic Noob, mais il est trop con. Il est Godfather, lui il devrait les dénoncer. Bof. Il joue la carte du citoyen honnête. Ça peut jouer, hein. T'aides un tout petit peu la tone sans te mettre en danger pour que les mecs te fassent confiance et après tu les obes par derrière. Alors, c'est marrant parce que là, tous les mecs qui se font accuser, c'est tous sauf les mafieux, quoi. C'est parfait. On va pas s'en plaindre. En plus, le seul mec qui pouvait nous emmerder, c'était l'arsoniste et il s'est fait choper au premier tour. Pas de chance. Exécuteur. Enfin, à mon avis, il faut qu'on se méfie du violet, là. Il a pas parlé, c'est le shérif. Alors, Blackman, on a dit que c'était quoi ? C'est un loner. C'est Survivor, Witch ou Amnésiaque. Ouais. Donc Blackman, faut pas le tuer parce qu'il est possiblement witch et on veut pas tuer la witch. Pourquoi ? La witch, elle joue avec nous. La witch gagne si la ville perd. Donc elle gagne avec nous. L'amnésiaque... Le survivor, il peut gagner avec nous. Ouais. Et l'amnésiaque ? Et l'amnésiaque, si ça se trouve, il peut prendre un rôle de la mafia pour nous aider. Donc en fait... Vaut mieux le laisser tranquille. Voilà, si jamais on a un problème, on le dénonce. Et si c'est une witch, c'est pour nous. C'est 13 is not suspicious. Sure, he can be Godfather, but I don't know. Ok, 13. 13. Il a été potentiellement accusé d'être Godfather. Ok. Prefer Glassmith. Oh, bah, il est Godfather. Donc en gros, il s'est fait investiguer par Chicken Lover. Inspect Porno Monkey. Parce qu'il allait inspecter le rouge, ça se trouve, c'est le docteur. Si c'est le docteur, c'est tout bon pour nous. Ouais, non, vaut mieux tuer pas le... Voilà. Oh, au moins, ils écoutent, parce que parfois, t'as des mafieux, ils font n'importe quoi. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a un vétéran dans la game. J'ai failli écrire... faut surtout pas écrire au lever du soleil, parce que là, t'écris good choice, tout comme j'ai vu des mecs, moi, j'étais Jailor, et en fait, ils voulaient parler à la mafia, ils ont pas capté qui c'était Jail, ils font ouais, alors, machin truc, ils donnent un indice, et t'es là, t'es Jailor, tu fais bon. Exécution. Exécution. Alors, you touch my tralala... Ok. Et il était... Attention. Bus driver, oh, ça va. C'est bon, ça. Ça va. Mais il n'y a pas de tueur en série dans la partie, j'ai l'impression. Non, il y a Neutral Killing. C'était l'arsoniste et on l'a buté. Il s'est fait condamner. Ah, c'est... ils ont changé les rôles, quand même. Neutral en fait, Killing. En fait, avant, c'était par alignement. Et maintenant, ils te disent, voilà, Neutral Killing... ça veut dire un neutre qui peut tuer. Qui peut tuer. T'as Neutral Evil, genre la Witch, le culte, etc. D'accord. C'est des Neutral méchants qui sont contre la Town. Et après, t'as les neutrals benign, enfin benign, comment, je sais pas comment ils appellent ça. Attends, au fait, j'ai pas vu, t'as vu ce que ça nous a mis pour prendre Monkey ? Comment on peut voir ? Tu vas dans le log et escort ou bodyguard. Ok. Alors. Escort, c'est... C'est chiant pour nous, ouais. 3, c'est porno qu'on porno a... Porno Monkey. Porno, escort, BG. Yeah. Qu'on sorte. Hop. Parce que le jailer est toujours vivant, donc faut toujours être prêt. Voilà, soyez toujours prêts à avoir un alibi quand il y a un jailer, parce que ça se trouve, ça va être vous à la nuit. Et vous alors attends, dépenser. Regarde, ils disent le 4, shérif ou consigliere. Alors nous, on sait qu'il... Lui, on sait déjà qu'il est shérif. Mm-hmm. Mais... Faudrait le buter. Faudrait le buter, Chicken Lover. Faudrait le buter, mais le problème, c'est qu'on a toujours pas chopé le docteur. Ouais. Et là, il y a un mec qui le défend. Porno Monkey, il défend le shérif. Mmh. Porno Monkey, on a dit qu'il était quoi ? Il était escort ou bodyguard ? Consort ou bodyguard. Et alors, c'est quoi, consort ? C'est gentil c'est ou pas ? Mafia. Consort, c'est mafia. Donc, il est bodyguard. Donc, il est bodyguard ou escort. Il faut l'éliminer... Mais escort, c'est... Escort, c'est la même chose que consort. En fait, escort et consort, c'est la même chose, c'est que tu peux bloquer quelqu'un pendant la nuit. Sauf que escort, c'est... C'est le tone, et consort, c'est la mafia. En gros, faut le buter pour nous manquer. Le 10, faut le tuer. Faut trouver un moyen de tuer le 10, là. Alors, what the fuck you talking about me? I'm sheriff, obviously. Rye Red tagging me. À mon avis, le 10, c'est un bon focus, là.
Ah bah il l'a fait, c'est bon. Ouais. C'est bien. Kilim. Ouais. Vas-y, Good Citizen, il parle pas. J'aime pas les gens qui parlent pas. Tu me diras, on parle pas non plus. We need BG. Alive, pourquoi? Pourquoi? Bodyguard, attends, je comprends pas. C'est ça, Bodyguard. Lynch, every criminal and evil doer. Non, mais c'est super chiant comme rôle, surtout. Je comprends pas pourquoi il tue pas. Enfin, s'il le. Ouais, bon, c'est peut-être pour. Ils pas... l'ont pas tué? C'est pour pas paraître suspect, je pense. Bah. Ah, on a le Jailor! On a le Jailor! C'était lequel qu'on a chopé, qu'on a inspecté? C'est le tout en bas, là, le silencieux. Ok. Tu vois, trop silencieux, Jailor. C'est le mec tout en bas, je vais retrouver son nom, tout en bas de la liste. Ah, il va mourir. Ah, ça, c'est bon. C'est Good Citizen, il faut... Alors, non, attends. Attends, non, je fais toujours la swill. Il faut être consciencieux. Putain. Mais le truc, c'est que... En fait, moi, j'ai pas du tout ton niveau à ce jeu. Parce que je suis pas du tout aussi consciencieux, tu vois. Ah, il faut être consciencieux. Moi, ça me casse les couilles d'écrire la last will et tout. Mais en fait, après, quand je suis dans la prison, je fais... Citoyen. Bim, t'es mort. Shérif, et le mec, il te demande tes... Voilà, parce que c'est gentil de dire shérif ou Lucas. Keep not doing what I say, we'll get all dead. C'est le vétéran. Je pense que le rouge, c'est le vétéran. Le rouge ou bleu. On parle pas beaucoup, hein. Ça me fait bader. Ça... Il faudrait parler un peu plus, je pense. Mais Good Citizen, il faut l'éliminer. Mais il y a écrit Vigilante aussi. Il y avait écrit Vigilante. Ouais, mais dans tous les cas, faut le buter, quoi. Les deux sont super dangereux. Mais Vigilante, il peut pas se défendre. Non, il tue quelqu'un pendant la nuit. Il target quelqu'un, il le bute. Mais à mon avis, c'est le Jailor. Parce qu'il y a... Il y a pas eu de mort. En fait, les vigies, en général, c'est la classe où tout le monde fail avec. Ou dès que tu vois un vigie, il bute des innocents sans faire exprès. Vigie failor. Ouais, c'est voilà, vigie failor. Et c'est toujours les mêmes. Il vote pour Prefer Blasmith. C'est bon, on s'en fout, il y a que 3 votes. Il en faut combien? Il en faut 6. Donc, il reste combien de temps? Pas de soucis. J'arrive pas à voir. Don't vote. Il y a un mec qui le défend. Alors, mais le truc, c'est qu'on discute, mais j'ai absolument pas lu. Mais attends, faudrait commencer à les dénoncer, les mecs qui le votent, là. Genre... Porno Monkey. Tu penses pas que c'est le moment de les dénoncer? Bon, on a genre, de jouer la carte, c'est les mafieux? C'est suspect? Ben, on a un vest. C'est-à-dire que... je sais pas. Moi, pour l'instant, je préfère garder mes trucs, et si jamais on me chope, je claim ça. C'est-à-dire tu préfères sacrifier ton... Bon, de toute façon, ah, je préfère complètement sacrifier mon Godfather. De toute façon, voilà, il est encore vivant. La dealer de tuer le mec qui était tout en bas, là. Good Citizen. Ouais. Good Citizen is the jailer. Non, c'est le numéro 14. 14. Et puis en plus, on a une classe consigliérée. Si le Godfather meurt, on prend la place du Godfather. Donc... Ah, c'est nous, c'est pas le mafioso qui prend la place du Godfather? Non, c'est le consigliere. Consigliere, c'est un peu bizarre. Alors vas-y, on a 5 secondes là. C'est même un achievement. Tiens, repique NG. Okay. Le rouge, j'ai trop peur qu'il soit vête. Et vétéran, en fait, c'est-à-dire que si on il a des alertes. Il a des alertes. Il peut se mettre 3 ou 4 fois en alerte, ça dépend des règles. Et tous les gens qui lui rendent visite, ils les butent. Alors. Your target is a loner. Ok. Encore un autre. C'est les deux neutrals en fait. Ah, il y a 2 morts, j'ai l'impression. Le rouge, il est mort. Le rouge, il s'est fait buter par le Ah, quel boulet. Et ils ont buté l'invest. Ils ont buté l'investigateur. et c'est lui le Jailor. C'est parfait. Tout le monde va pouvoir voir à quel point il a fail. Et... Joli. Allez. Espèce de fail. Porno Monkey, bon bah là c'est gagné je pense. Le mec il a essayé d'aider le vétéran, il s'est fait buter. Il a essayé de bloquer le vétéran, il s'est fait buter. Attends, j'ai pas compris là. L'escorte, il allait essayer d'aider le vétéran, de bloquer le vétéran, et le vétéran était en alerte, il s'est fait buter par le vétéran. Quelle bande de fail. Epic, juste epic. Je crois qu'on non mais attends, là on est 3 contre 3. Fais gaffe parce qu'il peut y avoir 4 votes contre vous. C'est qui? C'était Repic Genge? Ouais. Et l'honneur. Bah là, alors attends, on va calculer. Il y a 3 mafias. 1, 2, 3, imaginons. Il y a 2 loners. Il en reste 4. Ok, guys.
Bon, tu... Je pense pas que tu prends un risque. Non, avec non, ça. On s'en fout. Why you didn't check me? Oh, putain, il est tôt. Mais on s'en fout, voilà. Maintenant, on les prend et on les lâche au hasard. Non, pas Snoopy. S'il te plaît. Quoi pas? Ils sont cons, mais ils sont complètement cons. Non, c'est bon, mec, déstresse, il y a un seul vote contre toi. Mais c'est, moi aussi, je me demande pourquoi t'as fait ça, quoi. Parce que ça accélère le jeu. Ça accélère le jeu. On est en majorité, il y a deux neutrolls, il y a trois mafieux. Bon, allez, sur une, deux, trois, quatre, cinq, vote with us, là. On est combien, on est... Voilà, regarde, hop. Il n'y a plus qu'à lyncher maintenant. Mais là, c'est tes alliés, ouais. Les mafieux, ils n'ont pas voté avec toi. Si, regarde, c'est bon, là, on a gagné. On va lyncher Fat Tony. Et on va ira tuer dans la nuit. Chicken Lover, on le bute pendant la nuit. Ouais, c'est ça. C'est en fini. Fait, c'est Fat Tony et Chicken Lover. Là. Donc, Fat Tony, je pense que c'est le serve. C'est le serve, c'est le vétéran. C'est le vétéran, lui. Ouais. Attends. Ouais, non, c'est le vétéran. Vétéran. Lui, c'est le shérif. Non, ça doit être mais le lui. Docteur. Non, c'est non. Le docteur. Mais non. Mais attends, mais il est où le docteur? Non, mais hey, c'est il est mort. Non, il est mort. Complètement pas vu. Die! Attends. Guilty! Guilty. Die! Ino, Bob is Mafia. C'est Blackman qui dit ça? Mais il est con. Attends, je comprends pas. Blackman, il gagne avec nous, non? Il est l'honneur. Non, il peut être amnésiaque. Ah. Bon, on s'en fout. Oh. Ils sont sérieux? Qui a voté innocent? Chicken Lover. Il y a un mec qui a pas capté son rôle. Bon, mes buts. What? Bob, ils t'ont trahi, mec. Ouais. Putain, je vais rigoler. Oh là là, je sens que je vais non, rigoler mais ça, c'est si un truc, ça fail. Ça, c'est un truc que je comprends pas. On a gagné, les mecs ont gagné, mais ils arrivent quand même à foirer la game. Ça me tuera. Pourquoi t'as ouvert ta gueule? Bon, on va la gagner de toute façon, mais j'arrive pas à piger. Je sais pas. Oh, noir. Bon, on va mourir, mais... Alors, en fait, ça défie toute logique dans ma tête. Ouais. Ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que c'est pas logique. Mais en fait, faut tenir compte du fait que les gens sont mauvais. Enfin, il y a certaines personnes qui comprennent pas bien le jeu, quoi. Genre des neutres, en fait, dans le cas présent, qui ont pas compris qu'ils pouvaient gagner avec nous, avec la mafia. Ouais, c'est... Enfin, c'est dommage, hein. C'est incroyable. Ah putain, quel fin stratège, oh, là, là, ce noix. Mais ils sont débiles. Je comprends pas. Attends, on va voir après. Oh, trop fort. Alors, à moins que j'ai pas de chance et que ce soit trop deux amnésiaques qui aient pris le rôle de la toune. Oh, il vient de fail un truc de ouf. Aïe. J'avoue, en plus, c'était gagné, quoi. Bah ouais. Donc, c'est... En un tour, on pouvait finir. Donc on va voir. Bah là, tu vas voir qu'il va essayer de tuer le mauvais. Il va essayer d'aller se choper genre Fat Tony ou un truc comme ça. Il va se faire buter par le vétéran. Il devrait buter Chicken Lover. Oui. Le shérif, là, tout de suite. Parce qu'il n'y a plus de docteur pour le protéger, on est d'accord. Non, il n'y a plus rien, là. Enfin, il y a quoi? Il reste... Attends. Alors là, un vétéran. Là, ce qui est trop marrant, c'est on est mort. Il y a les gens dans alors, le chat qui vont nous troller, non? Shérif, hein. Alors Chicken Over, on va dire qu'il est shérif. Fat Tony, il est vétéran. Et les deux autres, c'est des neutrals. Ouais. Voilà. Bon, faut tuer Chicken Over. Je suis très curieux de savoir Blackman et Replique Genge. You touch my tra- Aïe.
Je suis vraiment curieux de voir. Par contre, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ah oui, Mass Murderer, ça je connaissais pas ce rôle. C'est le nouveau rôle. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait, ça, c'est pour checker tous les rôles possibles en fait. Ouais, parce qu'il y avait trop de gens qui se trompaient en disant ah, il y a pas machin dans la compo, tu mens, etc. Puis ils s'apercevaient qu'en fait ils avaient mal lu le truc et que c'était complètement mauvais. C'est génial qu'ils aient fait ça. Non, ils ont bien mis... franchement, ils ont bien amélioré leur jeu. Ouais. Et t'as dit, c'était comment déjà l'adresse où on pouvait aller sur leur forum ? Eh, il est teubé, il a tué. Attends, lui, il était quoi déjà ? Amnésiaque. Bon. Amnésiaque, il s'est pas souvenu de son rôle. Pourquoi ils ont tué l'amnésiaque ? Mais il est trop con, il y a le shérif. Là, la blague, là. Mais ils sont débiles. C'est que la mafia peut perdre. Mais oui, mais ils sont débiles. Get 13, mafia. Sur votre histoire. Oh, je vais rire. Oh là là, oh là là, oh la partie, fail. La partie qui était gagnée. En gros, ce qui s'est passé, ils sont complètement débiles. La partie débile. Était franchement gagnée. Il y avait 3 mafias, il en restait 7, il y avait des neutres. Bon, normalement, c'est gagné. 3 mafias, 2 neutres. Et les neutres n'ont pas compris leur rôle, qu'ils pouvaient gagner avec la mafia. Et Noah, il a pensé que les gens qui jouaient avec nous étaient intelligents, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, Noah s'est fait éliminer. Et là, je pense que... Je pense que le Godfather va mourir. Ouais. Chicken Lover et Fat Tony vont voter pour lui. Et après, et je pense que le dernier mafieux va mourir aussi. Et mais lui, il est quoi ? Lui, il est quoi, sans déconner ? Repeat Change ? À mon avis, il y a plein d'amnésiaques. Je vais voir. Attends, c'est quoi amnésiaque pour bien comprendre le rôle ? Amnésiaque, tu peux prendre le rôle de quelqu'un qui est mort. C'est neutre. Tu prends le rôle de quelqu'un qui est mort et tu joues avec ton nouveau camp. Tu prends A et tu joues. Et c'est en gros à chaque fois que quelqu'un meurt, là, genre au petit matin, tu peux choisir de prendre un rôle. Une fois. Une fois jusqu'à la fin de la partie, tu peux prendre le rôle. Et c'est à quel moment c'est au matin ? Attends. J'arrive pas à les comprendre. C'est fou, hein. On a lose, mec. On va finir par la lose cette game. Ouais, et mec, ils ont cramé que le 3 était mafia. Ouais, mais. Vous avez perdu là. Affreux. Oh, j'ai les yeux qui saignent devant tellement de nos skills. Oh non. Non. Incroyable. Il est pas mal son skin. Je sais pas. Lui, il a beaucoup de points. Allez, bim. Godfather. Oh là là. Ça me tue. Mais le pire, c'est qu'honnêtement, si t'avais rien dit... On aurait gagné. Mais je me suis dit, on a déjà gagné. Autant aller plus vite. Mais non. Mais non, il y a quelqu'un qui doit ruiner la game. Silence consternant. Oh là là. Bon, bah voilà. Et en plus, tu vas voir que c'est moi qui vais me faire insulter. C'est ça qui va me tuer. Bah ouais. Le pire, c'est que là, les deux autres mafias, ils vont te trash talk, quoi. Ah, allez, bim. Je peux pas gérer les autres, hein, c'est clair. Moi, je peux pas anticiper que... Yeah. Pew, pew, dead. Not dead. Ok, dead. Yeah. Dead. Yeah, dans le chat. Il se fait troller. Who has right now? Math lost this. That's just a lol game. You fucking idiots! Boy, what the heck you revealed? Bon, bah voilà, c'est doux. C'est passé d'une free win à une free lose. Bon. Là, il va tuer qui, Snoopy ? Bon, il va tuer Chicken Lover, peut-être. Mais le problème, c'est que Chicken Lover l'a désigné. Allez, c'est parti pour lui, troll intensif. Stupid players. Report Noah. Alors, qui est mort ? Chicken Lover, le shérif est mort. Il reste un mafieux et deux... Il reste non, le neutral qui est sûrement survivor. Le vétéran. Voilà, il reste... Lui, il est survivor et lui, il est vétéran. Donc en gros, c'est Snoopy contre Fat Tony, là. Ouais. I will survive. Alors maintenant, on va voir le survivor qui va choisir d'aider. Là, c'est le survivor qui va décider qui a la victoire finalement. Regarde Snoopy, mais hate is mafia.
no, no. C'est mal barré. Je suis tellement dépité, par It's cette you. Game. Offre-lui quelque chose. Mais voilà, dis-lui que tu lui fais un blowjob pendant la nuit, c'est bon. Ils sont sensibles à ce genre de choses. Offre-lui quelque chose, Snoopy. Offre-lui ta sœur. Parce qu'en fait, là, nous, nous, on gagne des points si Snoopy gagne, pour que les gens comprennent. Mais même si on est mort. Persuasion. Et là, il faut que ce soit Fat Tony qui soit exécuté, pas Snoopy, pour nous. Mais là, il est pas du tout convaincant, Snoopy. Les votes. Ah, quel boulet. Allez, défends ton bout de gras. Vends ta sœur, vends ta mère, j'en sais rien. Ta maison, offre tes fesses. Mais une compensation ta pour coupe ta vie. De coiffure, voilà, quoi. Dis-lui que c'est du racisme et tout, discrimination, enfin je sais pas, trouve un truc. Bob the tool fuck us. Une merde. Oh mec, le pire c'est que tu vas te faire troller. Oh là là. Non mais je rigole. Tu compatis quand même. On a joué à deux. Tu compatis. Moi j'ai rien dit parce que je pigeais pas tout ce qui était en train de se passer. Mais on lynchait Fat Tony dans la même nuit, on butait Chicken Lover et la game était finie. Ça prenait un tour. Au lieu de prendre un tour, ça en a pris 4 de plus. Ino. Grosse défense. Oh là là. Il y a des mecs qui sont en train de te troller, je pense, dans le chat. Non, même pas. I prefer a town. Je suis dépité. Tu vois, c'est là où la prochaine game, il faudrait être serial killer et se venger. Et tuer les gens en mettant des Death Note rigolotes. Bim. Bon, bon, on va le... Voilà, donc j'aurais dû rester à AFK. Donc, alors... alors, il y a un wiki. En fait, il suffit de taper sur Google, il suffit de taper Wiki Mafia 2, et tu tombes sur le wiki de Mafia... Wiki Mafia plutôt. StarCraft 2 peut-être, et tu tombes dessus et ça explique tous les rôles. Toutes les stratégies. Voilà, ça vous donne, mais si vous connaissez rien, ça vous donne des idées en voilà, fait. Ça vous donne des idées et surtout en fait ça vous permet vraiment de voir tous les rôles et si vous voulez mentir et faire un alibi ou vous assurer de tel truc, vous allez sur Mafia Wiki, faudra mettre le lien dans la description, ouais. Et aussi le lien du forum français, Mafia. Ouais, pourquoi pas. Et voilà. Ouais, voilà. Et on a lose. Et le town a win. We have come to a conclusion. Quand tu disais Mass Murderer, c'était midi. Et bim ! Oh là là. Et bim. Bon, voilà. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle que la langue de Mafia, c'est l'anglais. Regarde ! Full noob ! First game ! Bah forcément, je peux pas le savoir, ça. Ah, c'est des first games ? Je peux pas le savoir. Ah, non, j'avoue. C'est la première fois que tu gagnes avec un rôle, ça te le met first game as, machin. Ok. Ouais. Et bah, on espère que ça vous a plu et on en fera d'autres. Et dites-nous dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Si vous voulez, je sais pas moi, d'autres scénarios, d'autres custom maps, etc. T'as un dernier mot ou... Non. Et à bientôt. Ciao.